Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Ils ont jeté le filet. Ils ont pris plein de poissons. Curieusement, dans Jean 21, il parle même de 153 poissons. Les poissons sont nombrés là-bas. Donc il y a plus de nombreux poissons. Le filet rompt. Le filet menaçait même de se rompre, mais aucun poisson n'est parti. Ils ont appelé d'autres barques pour venir ici. Quand la bénédiction de Dieu est chute, ça veut dire que deux personnes feront ça et ils ne verront même pas. Ils seront participatifs à cette bénédiction. Mais pour ça, il faut obéir sur la parole de Dieu, sur ta parole. Je vais jeter le filet où tu me l'indiques. Jésus pourrait dire aussi que c'est lui qui tient, qui détient tous les sources de la bénédiction. Donc Pierre a pêché toute la nuit. Il n'avait trouvé pourquoi? Parce que Jésus avait appelé tous les poissons hors de pied. Wow! Si Jésus dit qu'il ne bénit pas, tu n'auras rien. Il a appelé tous les poissons. Mais tous les poissons qu'il avait gardés en réserve, c'est une deuxième façon de voir la chose. Soit il a appelé les poissons pour que Pierre ne les attrape pas, ou bien il a appelé les poissons pour que Pierre les attrape en sa présence pour dire que c'est moi le patron des poissons. Pierre jette le filet. Pas beaucoup d'efforts, sinon l'effort pour soulever la bénédiction, pour la mettre dans la barque. Alléluia. Ce qui est merveilleux, que quel que soit l'effort, aucune bénédiction ne se perd. Tu prendras même des gens qui sont loin de toi, n'est-ce pas? Qui seront loin de toi, tu vas l'appeler pour dire, venez participer à ma bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Le message aujourd'hui, c'était ça. Faire comme Pierre. Pierre sort d'un travail pénible, fatigant, épuisant. Mais malgré ça, il arrive, n'est-ce pas? Et regardez tous les risques de pêcher la nuit. La nuit est faite pour dormir. Mais le gars, peut-être, il arrive, il n'a rien pris. Il nettoie son filet. Wow. Même si tu n'es pas béni, nettoie ton environnement, nettoie ta bouche, ta façon de parler, nettoie ton cœur, nettoie tes relations, sanctifie-toi, mets-toi à l'écart. Jésus vient, il fait le choix, il a fait le choix, nul ne peut venir à Dieu si ce n'est pas Jésus qui l'appelle. Et là, il monte dans sa barque, il monte dans ta vie, dans ton cœur, dans ton assemblée, dans ta famille, et il enseigne les autres. Et dans la révélation, ça veut dire que Pierre l'a reçu comme son Seigneur, comme son enseignant, puisque on va dire que si tu reçois Jésus, c'est à toi d'enseigner la foule. Et après quoi, n'est-ce pas, Jésus s'est retourné vers Pierre. Pierre, maintenant c'est ton tour. Puisque Pierre a entendu l'enseignement, Pierre était patient tout ce temps-là. On n'enseigne pas en 5 minutes, en 10 minutes, les foules. Les foules en demandent. Vous voyez toute une foule qui vient là comme un stade. Tu pars en 5 minutes, tu pars. Mais ils vont t'attraper de force pour dire, oh, c'est quoi? Tu dois appeler pour 5 minutes, c'est que c'est cette histoire-là. Jésus était donc obligé, n'est-ce pas, de parler jusqu'à ce que chacun soit rassasié. Alléluia. Et quand Jésus savait que tout le monde était rassasié, rassasié de voir que tu as enseigné la paix, l'amour, la joie. Est-ce que partout où tu vas, tu communiques la paix, la joie, l'amour, la félicité, la bénignité, tout le reste là, Jésus se retourne maintenant. Comme j'ai utilisé ta barque, j'ai utilisé ton cœur, j'ai utilisé
disons dans ta voiture, j'ai utilisé ton argent. Il est temps maintenant que je m'occupe de toi. Amen. Après avoir utilisé ta langue, Jésus va utiliser à bon escient ta langue. Mets ce que tu as au profit de Jésus, à la disposition de Jésus. Comme ça, lui, il utilisera bon escient. Et tu seras récompensé. Qui ne veut pas être récompensé? Ah, vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas. Écoutez, quand on prêche une parole et qu'elle est vraie, il faut dire amen, c'est-à-dire que tu t'en as compris. Amen. Je vais être honnête. Vous croyez, vous croyez. Parce que je prêche Jésus est Seigneur, Jésus est cela, Jésus est cela. Vous croyez que je vais m'arrêter là. J'attends aussi. Tu oublies mes son salaire. Jésus, il faut que tu me bénisses. Amen. Tu utilises mon argent. Là, le terrain sur lequel est bâti à cette assemblée-là, l'église ne me l'a jamais acheté. C'est mon terrain, moi. Quand j'ai construit ici, Jésus, à l'époque, j'avais construit parce que la vocation. Ensuite, les autres sont venus. Mais vous tous ici, vous qui avez acheté une chaise, une table, un micro, le pupitre et tout le reste. Vous attendez aussi, vous attendez. Amen. Écoutez, si quelqu'un vous prêche un Dieu qui n'a pas d'intérêt, il ne connaît pas Dieu. Dieu est l'homme le plus intéressé, je parle à la manière des hommes. Il donne Jésus-Christ un. Il ne récupère pas tous. Ils sont combien? Il a donné que Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Attends, nous sommes combien ici? Regardez partout dans le monde entier. Dieu a donné son fils unique. Il a reçu combien d'uniques et combien de multipliés? Dieu est un Dieu d'intérêt. Moi aussi, j'attends ma bénédiction. C'est ce que Pierre avait dit à Jésus. Il dit à Jésus, bon coup, on va par ci, par là, on a le succès, les aveugles le voient, les paralytiques marchent, le monsieur programmé, voilà, les personnes plus vieilles. Mais attends, Jésus, oh you, man, stop d'abord. Nous, on a quoi là-dedans? Voilà. Jésus dit, non, Peter, man, tu sais bien de voir les choses. Il n'y a personne à ce siècle présent et à venir qui a pris un tour pour moi et pour le monsieur. Qui ne reçoit quoi au centuple? Amen. Wow! Au centuple! Amen. Au centuple! Le Dieu qui est en haut, centuple! Bon, maintenant, ça veut dire quoi? La même quantité que tu auras investi, on te multiplie ça par 100. Si tu as donné 1000 francs, tu rends que Dieu te rend 100 000. Mais si tu as donné 100 000, combien? Combien? J'ai donné 100 000. 10 millions. Ouais. Maintenant, si tu donnes 1 million, c'est le temps maintenant de faire les. Non, on va investir. On va investir. Pourquoi? Parce que je veux prendre Dieu au mot. Alléluia. Amen. Je veux prendre Dieu au mot. Il dit, je vais au centuple. Waouh! Alléluia. Amen. Aucune manque ne fait cela à l'intérêt. Attends. Au centuple. 100%? Non, plus que. Non, attends. Non. Donc, écoutez, si vous voulez que celui-là soit sérieux, prenez-le au mot. Prenez-le à sa parole. Ouais. Sur ta parole. Bien. Maintenant, je ne dis pas autre chose que cela, ce que la parole veut dire. Je termine avec ça. On a fait à Pierre la queue d'âme. Hein? Bon, Pierre a pu gêner parce que toute la nuit, il n'a pas mangé, le matin, il n'a pas mangé. Peut-être que là, il était dans le jeûne. Là, je vous conseille ça. La seule offrande que Pierre a donnée, c'est sa bague. On va dire ta vie. Donne un peu de Jésus, ta vie. Amen. Donne, toi qui as écouté cette prédication, cette exhortation, donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Et à partir de ta vie, il va enseigner la foi et il va se retourner. Et toi, tu seras béni. Amen. Je suis l'apôtre Paul Messi. J'officie à l'île de Ville-de-Galles, au ministère Colombe de Feuilles de Nuit. Et nous venons avec vous de participer, n'est-ce pas, à cette exhortation. Qui est la même que Dieu vous a donnée, cette parole de Pierre. Le thème c'est qui comme Pierre, heureux comme Pierre, obéir simplement sur la parole de Dieu. Et vous pouvez effectivement m'appeler si vous êtes hors du Gabon, précédé de l'église 541. Le numéro s'affiche sur cet écran, le 0663 0640, le 05 32 58 80. Et puis vous envoyez un SMS, je réponds à tous les SMS, ça peut prendre 1, 2, 3 jours, voire plus. Le temps de prier pour vous et d'adresser votre requête au Seigneur, auquel cas ça répond, je vous la réplique. Vous pouvez également venir si vous êtes à Libreville au Gabon, vous venez du côté de Toul. Nous y tenons en semaine des réunions à la maison de prière à l'église Mère de Libreville en Zanzibar, une nouvelle cité. Et tous les jeudis, voilà, à partir de 18h30,
prière de proclamation, d'exhortation, d'enseignement, de communion spirituelle fraternelle en Christ Jésus. Tous les dimanches, le culte d'adoration est à 9h15. Vous êtes notre invité majeur. Si vous voulez effectivement avoir un entretien avec le pasteur Rodal, qui n'est autre que la Bergère Saint-Hélène, elle reçoit tous les jours, le mardi, avant de dire, à partir de 15h30. Vous venez sans rendez-vous. Du côté de Ntoum également, le pasteur et la révérende Rosine ici, à la cathédrale Joie Parfaite, au lieu dit des Deux Lions, derrière le site des Eaux et Forêts. Nous y tenons également, en semaine, une réunion tous les mercredis, à partir de 17h, et le dimanche, culte d'adoration, à 10h. Vous venez sans rendez-vous. La révérende Rosine ici reçoit en semaine, le mardi à vendredi, de 15h30 jusqu'à ce que effectivement tout le monde soit reçu. Et c'est ça, on est. Et quant à moi, bien, si vous voulez effectivement me rencontrer, vous appelez, bien, vous rejoignez les deux sites et j'ai un vrai plaisir, n'est-ce pas, de vous recevoir en live. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.